qui c'est insécurité et kidnapping qui a rongé les haïtiens et qui pral permettre les haïtiens de comprendre dans qui zobo qui prend. Insécurité et kidnapping, c'est le plus gros fléau qui a tracassé tout le peuple haïtien. Bagay ça, fait population à monter le ciel par dos. Yo pa konn qui c'est pour yon rele, tellement yon victime de zak et sécurité à kidnapping ça. Pour l'histoire et pour la vérité, peuple haïtien. Et sécurité à des trains a dit clairement, kidnapping à insécurité ça, sorti dans trois secteurs clés. C'est yon qui alimente zam et munitions, by tout gang en dans pays. Jeunes garçons et jeunes femmes qui t'a doué un livre, plume et cahier dans mes yeux, politiciens, oligarques corrompus, et quelques mouns dans l'oisiméen, transformer moun sa yo comme agent criminel pour simer la troublaille et l'insécurité dans le pays. Moun sa yo, c'est plus gros criminel et kidnapper que le pays en tant que connaît, qui c'est politiciens, oligarques et quelques mouns dans l'oisiméen. Pour intérêt politique et intérêt économique, yo, yo prêt pour faire tout bagay. Équipe moun sa yo touye Papa de Saline. Équipe moun sa yo touye Vilbre Guillaume Sam. Yo touye Dimanche Estimé et yo même rive touye président Jovenel Moïse. Jodi am sezi ouais. Même groupe moun sa yo qui sont passé 4 ans à quelques mois kap simé la terre dans pays a qui t'a manœuvré levier et sécurité à kidnapping, la guerre sous le président Jovenel, détruit caractère et même river assassiné, c'est même le même jour aujourd'hui qui a lancé manifestation contre la sécurité pour aller en vrai. Nous même en Adeka, nous rions parce que nous connaissons Mounsayo, c'est l'ougaou qui a mangé petit tout, qui a aidé à crier. Aujourd'hui, j'ai peuple à Calais. Tout le monde est à clair. Et sécurité à kidnapping, non, c'est catégorie moun sa yo qui de elle. Nous même dans l'Alliance démocratique contre la transition d'Haïti à Dakar, nous pas j'oublie assassin criminel sa yo qui touye président Jovenel Moïse. Et je 17 avril 2022, pral fait président Jovenel Moïse 9 mois depuis nego fait complot pour yo krabinel, depuis nego fait complot pour yo assassiner, depuis nego retirer l'espoir peuple haïtien. Parce que, président, te vle mettre les oubliés de la République, te vle mettre des gros souliers, te vle mettre des gros djol, te vle mettre des milacs patriotiques sous le monde. Non, sans ça, Adektra a demandé tout peuple haïtien, tout vrai jovenelisme, pour yo lever campé. Jusqu'à 7 avril 2022, pour nous dire tout papa kidnappé et insécurité pour yo pas qualité de peuple haïtien et pour nous dire yo yo pas qui doit parler dans nos peuple haïtien. Ça manifestation ça a fait tout contre tout le monde qui était contre fabriquer ou bien dresser faux rapport la guerre sous le président Jovenel Moïse. Manifestation ça a fait contre tout nègre qui te dit, depuis le président Jovenel Moïse qui te pouvoir, et bien, kidnapping dans la sécurité, à Kaba, même côté. Et finalement, manifestation ça a fait contre toute 11 familles qui ont marché si maille, zam et munitions, par les jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. Système ça arrive dans le bout de l'Ibaba ici. On solidarise pour désolidariser les criminels et les assassins. Pour mener à la justice pays. Vive Haïti! Distance sociale qui n'a pas baillé population en service, Jean Satadoué fait, selon ça, quelques citoyens, quelques monde qui vivent avec handicap dans le pays, a fait qu'on est. Ils ont demandé pour responsables dans le pays d'Haïti voyager, garder. L'année réforme Bernard l'a commémoré journée lundi 4 avril 2022 à Nanoukal, lycée
Pétionville la ministre éducation en Esmi Maniga ak ministre Kilti à communication en Emily Prophète te présent dans commémoration si la. Et puis, il y a plusieurs organisations femmes qui ont manifesté dimanche 3 avril à Nakafou, à l'aéroport, pour demander respecter les droits femmes dans le pays d'Haïti. N'a pas tourné après pour ça pour développement pour ça y a quelques formations, pas déconnectées. Nous tournons pour développement information yo, merci parce que vous êtes connecté. Plusieurs citoyens bénéficiaires qu'est assistance sociale te parlé dans micro la presse lundi 4 avril 2022 pour critiquer autorité on a qu'est assistance sociale là yo dit qui pas ba yo bon service. Joachim Jean Junior qui t'a vive Matisson dénoncer mode de fonctionnement li di dirigeant yo gagné en dans CAS là et puis li critiquer tout secteur démocratique et populaire yo di ki craché sous cadavre moun ka vive Matisson yo yo extrait dans déclaration li nan micro Fernando Live déposer chèque te déposer pour yo faire bagage social dans zone yo pour retourner dans terme de service l'état pas ba service c'est ça qu'il faut que toute organisation ça créer dans pays là et mais si nous déposer là pour nous faire ça, nous devons faire ça. Si nous devons déposer le cob ou le caï, Matisson, Belé, il faut que nous devons faire le cob pour faire mes capillarités. Parce que tout côté, nous devons arrêter. Nous devons dire que Matisson et Belé, nous devons faire mes caï. Pour moi-même, pour la vie reprendre, pour Ariel Henry, SDP, pour faire mon Matisson tourner la caillou, pour faire mon Belé tourner la caillou. Et nous devons porter plainte pour nous faire. Nous allons porter plainte pour Ariel Henry, pour SDP qui crachait sous cadavre tout le monde qui mourut Matisson. Nous sommes habitants Matisson. Quand nous sommes habitants, nous sommes Joachim Jean Junior. La vie pour nous reprendre. Tout en l'état, pour qu'on choisisse pour la vie reprendre, la vie pour nous reprendre. Et je suis sans langue de bois. L'état, la complicité, tout ça n'est ni Belé ni Matisson. Ok, la vie pour qu'on carré bon. Bon, il y a quelqu'un qui a tenté de retourner. Mais il faut qu'il y ait une quête d'esprit. Depuis qu'il y a une quête d'esprit, pas de monde qui a venu choisir, venir habiter Matisson. Parce que ma passé Matisson, l'école pas qu'à fonctionner. Ouvrier pas qu'à fonctionner. Si ma chaîne pas qu'à fonctionner, mais si ça y a, rien pas qu'à faire. Sous papal, souffrant, gentil, il y a un monde qui a vécu handicap, lui-même tout est dénoncé. Autorité on a caisse assistant social là et puis il demandait pour premier ministre de facto Ariel Henry ak responsable yo nan ministère santé pencher sous ka moun handicapé yo qui gen gros difficulté pour joindre soins santé nan pays. C'est pas pour déposer notre hôpital. Moi demande président Ariel pour ta faire choix. Pour ta faire choix ancien ministre. Pour ta faire choix ancien ministre. Josette Bijou, depuis 2006, 2004, sous à la tortue. Vous avez fait appel avec Dr. Josette Bijou, qui t'a pour une ministre. Cette femme ministre, c'est sous dame l'élite ministre, sous ta pas chef bien. L'handicapé, on a un général ou un soin. Parce que l'été passé, le plan général, l'handicapé est venu, puis on va se rapide. Je dis, on va avec. Donc, Josette Bijou, qui est ministre santé, nous handicapés, nous avons une santé à l'aise. Nos pas se souffrent gentil. Merci. Suite à déclaration citoyen Silayo, madame Yvon Zabzap est intervenu pour parler sous divers travaux. Il dit madame Edwin Toton réalisé depuis l'inotète boîte Silla, qui donc CAS, il dit c'est pour l'autre instance dans le pays, il y a aidé CAS.
une façon pour les gens qui sont plus vulnérables capables de joindre assistance. Il fait subvention pour tout handicapé. Tout le monde qui manque les yeux, tout le monde qui est handicapé, il fait subvention pour eux. Il fait ça. Nous vivons moi-même en tant que femme qui organise, nous vivons ça, nous. Handicapés viennent prendre un chèque. Libère au manger. Li fait pour eux parce que l'autre institution va faire ça madame tout au fait là. Jodi faut qu'il handicapé au clair avec ça. Vin là, li fait kit li ba yo, li fait subvention pour eux même l'elle pas gros. Si toute boîte te prend responsabilité tout le monde dans l'état, tant que ministre, directeur général, te prend responsabilité tant que on a il te prend responsabilité. Même j'ai avec madame tout on fait, je dis en pense que en pile monde d'a sorti dans ça oui. Parce que moi vivre li, moi gagne handicapé qui là, qui jeune subvention, yo jeune kit pour à la caillou, yo jeune si quoi au contraire. Il était $300 yo tout connait dans chaque là, yo mettait $100 sur le. Yo ba l'autre subvention pour camé petit caillou. Imagine bien l'autre monde qui besoin venir faire mouvement yo, yo pas kokobé. Boîte là son boîte qui règle les bagages moun qui handicapé. Ça veut dire si moun a des problèmes pour quitter problème handicapé ou moun qui handicapé qui kokobé pour prendre cobla pour bay nèg ça on manger et nèg ça c'était au même en 2004 qui te vend pays à bon sac duri avec $50 américains. C'est eux mettez nous dans ça nous là. C'est petit gens ça qui mettez nous dans ça nous là qui te permettent que président Aristide pas arriver loin. Jodi en ex ça ouvre tout côté c'est au pour manger mais il pas comme ça et pas celle même qui gagne pays a gagne l'autre monde là-dedans malheureux qui cocobe faut que manger faut que handicapé manger parce que madame tout on lui-même lui veut fonctionner avec handicapé il vient jeune bagarre il vient jeune paquet pour monde cap côté bagarre lui même lui dit non il met au contrôle sur il dit ça pas faire comme ça. Il faut vraiment que les gens qui doivent jouer des choses, il faut que les gens jouent. Je dis, nous avons besoin de l'État comme ça. Il y a l'État, les gens qui disent, vraiment qui doivent jouer des choses, il faut que les gens jouent. Nous avons besoin de gens comme ça. Si le ministre de l'Intérieur a fait le même genre, il est bon. On va poursuivre avec l'information. C'est journée lundi 4 avril, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Communication commémoré 40 l'année réforme Bernard là dans le local lycée Pétionville là dans l'occasion en ministre éducation en Esmi Maniga a profité remettre 50 lettres nomination parmi 600 jeunes étudiants qui te doivent joindre l'aide pour intégrer système éducatif là. Job lui pour le faire nous vivre un extrait dans journée commémoration si là. Gros bravo pour nous enseigner ça. Voilà. Créole monte étape juste dans l'examen baccalauréat. Voilà. Et Naprélé et Kervins Victor de l'école normale supérieure. Ah, ça a été l'oubli, c'est moi qui vais mettre lui. Félicitations. Bienvenue dans le système. Et puis c'est très clair que le pays a compté sur nous. Et monsieur est certain que après prouver, quel que soit côté nommé, qu'il se les Iwa, qu'il se Wanamen, qu'il se Port-au-Prince, il a retrouvé dans la salle de classe et le ministère a assuré qu'il faut un bon travail à la cadre pour ça. Merci. Junior Jules de Lenga. Voilà, pour tout risque qui est dans le pays, c'était important que le système éducatif là, il y ait un monde qui maîtrisait la question environnement. Les gens qui maîtrisent les questions, qui ont mitigé les risques et aléas naturels dans le pays. Donc, nous sommes très contents que nous pouvons être dans le système. Bon, pour nouveau enseignant qui a installé ici dans le lycée national. Non, ça, c'est directeur qui a installé l'enseignant là, Kali, autour. Voilà. Nous m'aider le campé. Ministre Nesmi Maniga, dans l'occasion, te prend la parole pour expliquer, ça comprendre, deux questions réforme Bernard là, pendant l'effet qu'on est, c'est important pour 40 l'année après, réforme Bernard continue à faire débat dans la société haïtienne. Il te parle comme ça, toujours dans le micro collaborateur, nous, Job lui. Ça qui est très important,
pour nous retenir de l'activité aujourd'hui, c'est que réforme Joseph Charles Bernard, 40 ans après, continue à faire débat, continue à susciter intérêt et même controverse. Et m'a pris quelques mots pour que moi dis moi-même, en fonction d'expérience PAM, à la fois d'ancien ministre et ministre actuel, ça me comprend nos réformes et ça l'important. Dans la date qui était 30 mars 1982, dans le palais national, le gouvernement pays à l'époque signé un décret qui, j'aime te dire tout à l'heure, organise le système éducatif là, dans l'objectif pour que tout haïtien ait la même chance pour apprendre. Et apprendre dans un environnement qui reflète la culture. Et quelques jours après, dans la date 5 avril 1982, le gouvernement a publié décret ça dans le journal officiel, dans le moniteur, qui fait qu'il bat force de loi. Qui ça changé dans la vie au ministre, au responsable ministère de l'Éducation nationale, enseignants, parents, élèves. Il y a un pic où innovation, innovation sociale, innovation culturelle, réforme Bernard, c'est le décider que dans deux langues officielles, même si c'est la langue officielle, parce que nous pas utiliser dans le document officiel. C'est plutôt français, nous puissions utiliser dans le document officiel pour officiel parler, pour officiel prendre décision, pour officiel pour des jugements, pour officiel même, et tout le papier l'argent à utiliser, c'est en français que oui. Même chèque n'a pas signé, pratiquement c'est en français que oui. Eh bien, ministre Bernard, en 1982, il dit pendant nous avons deux langues officielles, mais langue nationale, tout le monde parle, créole, il suppose à la fois pour nous apprendre l'école, mais j'ai servi pour que nous apprenions toute l'autre matière. Parce que je te dit, contrairement à ça, pile le monde croit. Ce n'est pas nous qui avons fait le pays, les gens qui ont commencé à apprendre en créole. Parce que tout pays dans le monde, pour maîtriser la plastique, pour maîtriser la physique, mathématiques, chimie, biologie, géologie, écologie, n'importe quelle discipline, pour comprendre ni, faut comprendre ni. Et pour comprendre ni, faut comprendre nos langues qui permettent de comprendre ni. Et bien, pour commencer à comprendre, soit à lire, soit à écrire, soit à apprendre, ou apprendre ni nos langues qui sont dans l'environnement. Langue grand-mère parler, grand-père parler, maman parler, papa parler. Et c'est là ça seulement sous comprendre qu'on apprend le français. En pile, monde pas apprend le français, pas comprendre le français, c'est parce qu'on pas comprendre, c'est apprendre le français. Il n'y a pas traduit même. L'on comprend créole, ou al pi vite pour maîtriser quelle que soit la langue. Parce que français, même si son langue officielle, je dis son langue internationale. Parce que l'autre langue, environnement pas parallèle, c'est dans l'école là seulement l'environnement que le palais, eh bien son langue internationale. Qui a pile caractéristique en langue scientifique, parce que l'y développe en pile l'autre savoir. Scientifique, créole là tout. Créole là fini dans le domaine ça tout. Créole là fait un pile avancé dans le domaine ça. Notamment avec l'Académie créole et tout l'autre monde qui a bataille pour corriger l'angle là tout. Tout pays dans la planète là, commencer à apprendre dans la langue maman. Dominicain commence à apprendre dans la langue payo. Jamaïcain commence à apprendre dans la langue anglaise. Tout le monde commence dans la langue payo. Et puis, si la langue payo, et c'est ça la réforme Bernard là, si la langue maternelle là, pas une langue
parmi les plus grandes langues scientifiques internationales qui plus utilisées dans la publication, tant qu'anglais, tant qu'espagnol, ou tant que l'autre langue internationale, en pile dans le pays, ils font transition. Nous avons choisi pour que pendant qu'ils continuent avec la langue maman, ils font transition dans la langue scientifique internationale. C'est le cas dans le pays arabe. Quand ils sont arrivés après le baccalauréat dans l'université, ils ont continué en arabe. Bien, ils ont choisi une langue scientifique internationale, tout, qui est capable d'évoluer. Bien, qui est dans la salle-là, comme élève. C'est mon métier facile, mais c'est plus bel métier. C'est nous former docteur, c'est nous former toute qualité de monde qui est capable de payer à service. Malheureusement, c'est mon métier qui est le monde qui veut faire. Parce que, malheureusement, m'a profité pour podium ça pour rappeler toute société et rappeler quel que soit le gouvernement, que ça me l'a donné, que ça cap vini yo, engagement pacte national pour l'éducation, pipiti que Haïti pour engagement international pour investir en éducation, c'est 20% dans le budget. Et ça va même assez parce que l'on pays qui a seulement 20% d'école publique. L'école publique pour construire. Laissez pas occasion à veiller pour un professeur qui a tablette ou laptop pour qu'un laboratoire physique, chimie, langue. Et bien l'important pour que l'éducation, c'est lui qui pour faire que trois cas jeunes qui aujourd'hui malheureusement retrouvés dans gang, que ça diplômé, que ça pas dans l'école. C'est parce que l'école n'a pas offert opportunité, même les enfants apprennent, pour exercer son métier dans un environnement qui est apaisé. Seul Jean pour Haïti retrouver stabilité, combattre. La nouvelle de moi, pour battre les médailles, mais on s'est dit qu'on a fait la forme. Est-ce que ça a dit une revendication pour ça? Bon, je ne connais pas, je tiens au 3 avril, je tiens à la journée nationale de l'Assemblée. Je tiens tous les dates nationales C'est avec information ça nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour attention et fidélité envers Fernando Live. Nous souhaitons vous rester connecté avec Fernando Life. Bye bye tout le monde.